Voilà, la deuxième VOD a commencé. Donc nous sommes à l'épisode 2 pour YouTube. On est trop con pour te le dire. Oui, donc mission de chasse. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Gentil, non, plein d'infos. Vous avez un petit creux? Allez, j'ai pas tout. L'épisode de Prompto a été Faites votre choix. Téléchargé. Merci à vous. Il faut faire un truc. Vous pouvez éliminer la vermine? Prenez. Noct. Tu veux pas aller voir ça? C'est quoi? 50 villes que la bagnole vient de la grande ville. Ah bon? J'ai jamais vu le papy. Attends, on va quand même aller voir pour récupérer la voiture. Ça devrait vous plaire. Elle est presque trop belle pour rouler. La voilà! Prenons nos retrouvailles en photo! J'aurai des armes, faudra que j'aille chercher. Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie. Vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi? Moi, je m'en charge! Tellement prévisible. Cool! Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite fille? Noct, la voiture est toute belle. Non, j'ai toujours préféré laisser Ignis conduire. Capable. Alors, tac tac. En fait, compétences, j'en suis. J'ai monté en compétences. Ah, mais j'ai beaucoup monté en compétences. Vous savez quoi? Faut monter ça. Enfin, je dis. Comme ça, quand on fera les petits loisirs, on monte en compétence, ce sera plus vite à monter en compétence derrière. Sinon, mission. Hop! On va faire les quêtes de chasse. Ils ont plein de trucs différents de chez nous ici. C'est un peu normal. Ah mais c'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Mais quand on sera rentré, on pourra plus y aller, pas vrai? Hein? Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche? T'es assez grand? Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. Ah. C'est donc de ça qu'il s'agit. Tu pourrais toujours prêter la régalia si tu veux. Oh, t'es sérieux? Non, mais en fait, je peux pas faire ça. Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture. Non. Ok. On me revenu.
Cygnus ! Qu'est-ce que je fais ? Hans Dieter. Merci. Ça aurait pu être pire. Alors, je vais regarder juste un truc pour qu'on rigole un bon coup. Ah, il est là. On se le fait ou pas ? Non, on va se le faire. C'est niveau 30 et quelques, la bestiole. Hein. Soyez vigilants. J'avais justement envie de chasser. Prends-t'en ! J'attendais que ça ! Oh, c'est trop beau ! Enfile ! Vous êtes silencieux d'un coup sur le chat là. C'est clair. Décès le 13-8. Qu'est-ce qui t'arrive, Mélo, t'es morte? Oh, pire. Si c'est Mélo qui est morte, c'est pas très grave. Au suivant. Merci. Ah, faut s'habituer avec moi. Je suis un salaud. Je suis un gros con. Merde, on m'a coupé dans ma musique. Gladio, tu viens faire des courses ? J'arrive. Exhibition du gagnant du deuxième concours photo, thème Gladius. Il y a des concours de photos ? Non ! Où ? Où ? Ouais. Bon. Pourrais-je jeter un œil à l'exposition du concours ? Ah, vous êtes l'ami de Cid. Belle performance. Vous voulez. Alors attendez, je vais aérer un peu la maison. J'ai un peu chaud. Avec le PC, Xbox et tout qui tourne, c'est chaud. Je reviens tout de suite. Tiens, on va manger un truc. Hein. Vous êtes jeune. Si, on peut prendre des recettes en faisant les repas chez les gens. Oh, ça n'a pas l'air. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont pris une vraie photo des plats. Et je suis sûr qu'il y a un restaurant FF15 où ils font tous les plats du jeu en vrai. Imagine de la viande de Behemoth. Et qu'en vrai, ça se trouve, c'est un putain de mouton. J'ai perdu la page. Dis-moi.
La map, elle est où? Elle est là. Hop. Contrat de chasse, du coup. Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. Oh. Merci d'avance. Le petit souci en vrai? Ah je sais rien. De toute façon à mon avis tu dois avoir des mecs en cosplay de personnages Final Fantasy. Tiens au Japan Expo j'ai pas eu beaucoup de personnages en cosplay Final Fantasy. C'est sympa de vous revoir. Hop on achète ça. Et on achète ça. Chez nous. Et attends on va acheter autre chose. Hey Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? On s'en fout. Ma voiture, elle est où? Elle est là. Merde, ils vendent pas encore. Faut pas écouter la musique. Fais chier. Ça fait du bien de plus avoir à se battre. Alors Melo, je crois que elle est tombée amoureux de plein de personnages. La priorité absolue, ça sera Levi, je pense. Elle a vu Noctis, ça fait « Ah, oh, je kiffe Noctis !» Je suis sûr qu'elle a vu Tidus, « Ah, oh, je kiffe Tidus !» Yes!
Pronto. L'échec n'est pas une option. Hush. À l'attaque. Ah. Je vois pas de quoi tu parles, mais je connais. C'est déjà FF, moi. Et oui, Eva numéro 1. Je sais que tu connaissais déjà FF. Tu m'as dit que t'avais découvert avec Mystic Quest, tu m'avais dit. C'est une blague, elle est pas drôle. Personne ne m'a compris là. Vous mangez à votre faim, au moins. Vous êtes doué. Toujours doué. Vous voulez quelque chose? Allez, vas-y. On va tester ce menu à 700 giles. Peut-être à l'essence qui coûte 10 giles. Et un plat comme ça, 700. Je tiens à le dire. Procède-moi. Révision et plan terminé. Un peu de repos. Ça me va. Il se plaît tellement bien. Alors, niveau photo, qu'est-ce que t'as? Ah, la photo la plus dégueulasse au monde. Oh, beau cliché, bravo. Avec la régalia, pas de photo ratée. Tranquille, la life. Ah, mais oui. Ce jeu, tu profites du jeu, tranquille, tu te balades, tu fais. Ah, c'est tout. Alors, le truc il est tout là-bas. Et quand le jeu est sorti, malgré qu'il y a des trucs qui m'ont déçu hein, quand même dans le jeu. Mais n'empêche qu'il est prenant ce jeu, il est prenant. Qu'annonce la météo? Ciel dégagé. Et température en hausse.
Super. Quand le barbecue, un jour. Ok. On va en faire qu'une déchet. Réglons ça rapido. On y va. Ouais. Je pense que la carte est... Ouais. Toujours pareil. On avance, on avance. Par contre, la chasse, on va pas rigoler. Rhino qu'on peut se faire là-bas. Bon, quelle est la stratégie? On fonce dans le tas. Je suis content de faire des contours. J'y pense, on va faire de la magie un peu, non? Oh non, on va attendre. Action, non? Oui, très proche. Quoique. On avait déjà du feu. Toi t'as pas, mais toi tu t'es équipé de dague, je crois. Voilà. Voilà. Au niveau 7, ça commence à se corser, les tueurs.
Il y a un porc de barbecue, je suis en train de les cramer avec. C'est l'heure. Ah merde, putain. C'est ma garde. Merci. Putain, ouais. Les monstres en kawaii. T'es sous la douche. Ok, Didbox, ok, ok. On a eu chaud quand même. Je commence déjà à faire les grosses missions de chasse par rapport à mon niveau, mais. Ça se corse. Mais j'ai un. Faut que je m'y remette correctement. Joue correcteur, parce que j'ai perdu un peu. T'as raté un succès? Non, non, mais après les succès, je les ai presque tous. Faut que je refinisse le jeu en fait. Faut qu'on revienne à la fin du jeu. Donc là, c'est un road to 1000G, mais en mettant le let's play, tu vois. Faut dire, ouais, on fait le jeu en live quoi. Et j'avais envie. Ça faisait longtemps que j'avais pas retouché FF9, donc j'avais envie de refaire le jeu. Et en plus, je devais faire les extensions donc. Ah putain! Il n'y avait rien pour comme sur des roulettes. Pour générer les succès. Enfin les PM. Tu sais, c'est bon, j'ai ça en tête. Ah bref. Cours Noctis. Je gère les opérations. La brèche, s'il te plaît. Et précis, s'il te plaît. T'es vraiment trop fort. On arrive! Tain. Et qui court comme ça? Bah. Noctis? Je suis sûr qu'on peut trouver des bêtes de musique de remixer de Red. Ok. Ah oh bah Fallout 4 putain. Est-ce qu'il me manque encore aussi? Quelle chaleur étouffante. T'as raison. Oh, comment ça va les gars? Beau travail. Vous voulez des infos sur la région?
Quelque chose vous intéresse? Faites votre choix. Ouais, ça, on peut pas le faire tout. Je sais que vous reviendrez. J'ai encore fini ma première partie. Ah ouais, mais Fallout 4, là je suis niveau 43 ou 44, je sais plus trop. J'avance petit à petit. Admirez nos nouveautés. Merci d'être venu chez nous. Revenez nous voir. Savour. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut mettre, oui, on peut mettre des repères. Alors, est-ce que maintenant, j'ai des trucs à récupérer. Là. Ok, faut qu'on y aille là-bas. Allez, allons-y. Ignis, on part devant. Juste une seconde. Melo, je la trouve calme ce soir. Quel temps splendide. Il t'enchaîne des conneries. Ah, attends, les essences élémentaires. Je vais les récupérer. J'admire cette notice de dos. Ah putain, si j'aurais pu, j'aurais changé de personnage juste pour te faire chier. Et tu sais quoi, eh, même si je veux te faire chier. On pourrait. D'accord, on va changer, on va mettre ça, hop. On pourrait mettre ça. Comme ça, t'as l'impression que c'est pas Noctis, tu vois. Mais bon. Par contre, je vais mettre. Bah, du coup, comme j'ai enlevé l'anneau, je vais mettre ce costume. Pour courir tout en à l'infini aussi. Hein, comme j'ai enlevé l'anneau. Voilà, l'accessoire. Ça y est, on y est. On s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Je vais en profiter pour faire l'inventaire de nos denrées. Allez, on se fait que des cocktails épicés. Oh putain, en plus ça, j'ai faim d'un coup. Ah ouais, 33 jours de jeu. 24 quand même. Je crois que j'ai un. Je crois que j'ai des objets cheatés pour avoir des points de compétence. Ouais, elles sont pas classées photos.
Noct, tu aurais un moment? Ouais. Demain matin, j'aurais besoin de ton aide, en fait. Le matin? Pourquoi faire? Tu m'aiderais à préparer le petit déjeuner? Ouais, il faut bien manger. Bon, je compte sur toi demain. T'imagines, eux, ils ont la possibilité de tous les soirs de se poser comme si ils étaient en soirée en mode pote et tout. C'est classe. Ce serait trop bien. Il faut que tu fasses mijoter ça. Mais il faut pas que ça brûle. Et comment je fais? Il suffit simplement de remuer un peu de temps en temps. Et c'est l'un des seuls FF où t'as ce petit truc où tu vois vraiment la relation hors d'histoire des personnages et tout, mais plus profondément. Au fait, quand as-tu cuisiné pour la dernière fois? Oula, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Quand tu bossais à mi-temps au resto? C'est possible. En tout cas, on peut pas dire que ça me passionnait. Je me demande si on pouvait appeler ça de la cuisine. Pas selon tes critères, j'imagine. Alors, voyons comment ça mijote tout ça. C'est pas encore tout à fait prêt. Continue de touiller, si ça t'embête pas. J'ai l'impression que je suis en train de brûler la manette, là. Pourquoi est-ce que tu voulais que je t'aide à faire la cuisine? À vrai dire, je voulais créer une occasion de discuter tous les deux. Pour que, disons, tu lâches un peu de vapeur. Tu voulais me cuisiner, quoi? Hein? Pendant toutes ces années, t'as jamais arrêté de t'inquiéter pour moi, hein? C'est le rôle que m'a confié Sa Majesté. Tu parles. Bon. Ça doit être la prêt, bouffe rend super bien dans le jeu, bravo. Les cocktails sont trop savoureuses, la texture est bien, mais à travers... Ah oui, mais... Tu devrais en goûter un peu. C'est vrai, mais c'est une scène entre mecs. C'est bon. Rien de mais c'est vrai qu'il manquerait une meuf dans l'équipe, quand ouais, même. C'est pas mal. Et ça ne te donne pas un petit peu envie de te mettre à la cuisine? Non. Non, je préfère te laisser faire, c'est plus sûr. Oh, mes espoirs s'envolent en fumée. Fait quoi de se remettre derrière les fourneaux? Eh bah, ça me gêne pas si ça devient pas une habitude. Par contre, je te préviens, j'ai pas envie de me lever tôt pour ça. Ah, tu sais pas ce que tu rates. La rosée matinale réserve bien des surprises. C'est ça, bien sûr. Bah, peut-être que je verrai ça un jour. Demain matin? Le mois prochain. Merci, tu m'as bien aidé. Ah ouais, sérieux? Bah tant mieux alors, je suis ravi. Ouais. Non, je crois que j'ai vraiment mis les objets cheatés pour les compétences, hein, quand même. Oui, mais ils ont pu remplacer Ignis par une meuf, comme ça, c'est, tu vois, la meuf qui fait la cuisine. Ok, blague de bouffe, annulée, ferme, je me casse, je me dégage. La suite. Ok, donc nous avons une quête. Où exactement? Ici. Merde. Ils ont toujours dit du gel extra fort tenu. Ou alors ils ont une adaptation capillaire qui dépasse l'entraînement. Les japonais, des fois, ils ont... sur les cheveux, mais... ils dépassent vraiment l'entraînement. Avançons. Ok.
ignifie des fois la gravité. C'est la bûche attitude qui fait ça. moi je connais une coiffure qui défie les lois de la gravité. Tu regardes. Merde, la meuf dans les Simpsons là, la mère. Comment elle s'appelle? Elle a une coiffure qui défie la gravité. Des caleçons d'or et tout. Major et Bouvier. J'arrive pas à me mettre correctement. Ah, bah, je bouille. C'est un truc que j'avais pas tilté, parce qu'ils ont tous des caractéristiques, les vêtements, mais j'ai même pas fait gaffe pour Noctis. Tu vois, là ça augmente les PV, là ça augmente l'offensif, ça protège des altérations d'état, les chances des coups critiques, et la tenue rebelle, c'est ici qu'il y a bien qu'on s'est protégé contre les altérations d'état. Ok, à chier. Ouais, bon. Accélère la récupération de PV, conçu pour les PV et M. Ok, ouais. En fait, ça vaut mieux le costume royal là pour courir les temps. Merci. Danse. On avance. Danse. Ouais. Danse. Ouais, ouais. Putain, j'ai la musique en tête. Hop, c'est plein. C'est parce qu'elle a des origines françaises. Et je me demande si c'est pas une liberté qui sont permis en VF. Mais je crois qu'ils sont permis des trucs en VF1. Hein. Ça y est, on y est. Il est pas un peu tôt là. Comme ça, on sera prêt. Ah, j'essaie de me trouver une bonne position pour me poser. J'ai toujours une position mal au jour. Je crois qu'un jour je vais retourner dans ma chambre. Ouais, ça va être mieux. Ah non, pour la maison de la prairie. Je déteste la maison de la prairie. Il y a ma mère qui regardait ça quand j'étais gosse et à chaque fois elle mettait ça à la télé. Ou c'était les feux de l'amour ou au soleil ou je sais plus quelle connerie. Ah, j'en avais marre de ce genre de série. J'ai l'impression qu'ils ont toujours un problème. Quatre heures de culture pour en arriver là.
Tiens. Hop. Je retiens des trucs chelous. Ah ouais, mais... retiens tous des trucs chelous. Ça se touche les fêtes. Ah, la nuit, il doit tous faire la queue leu. Demain matin, tu pourrais venir avec moi? S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, si t'y tiens tant que ça. Ah, trop cool, t'es un vrai pote. Je t'en voudrais ça, crois-moi. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. En plus, je sais même pas chanter. J'adore une voix de merde, je dois me casser les oreilles, je dois faire fuir les gens. Oh, good. Pas good quoi. Alors, attends. Et du coup, page 145, parce que je dois te dire des trucs précis. Bon, alors, c'est quoi le problème dont tu voulais me parler? C'est pas vraiment un problème. Plutôt une histoire de photo. Hein? En l'honneur de la reine de la clé à molette. Hein? Qui ça? Cindy, je voudrais lui rendre un hommage avec une photo. Sérieux? Hein? Oh non, 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 c'est pas ce que tu crois, pas du tout. Je suis pas un pervers, d'accord? Va pas t'imaginer des trucs. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est de trouver un beau panorama d'Hammerhead et de se prendre en photo là-bas en rendant hommage au garage de Cindy. Pourquoi son garage? C'est tordu comme concept. Tu devrais plutôt la prendre directement en photo, non? Hors de question, elle me prendrait pour un obsédé. Quand je pense que je me suis levé à l'aube. Attends, je me fais baiser, page 145. Carte du haut et je me retrouve avec une autre carte de merde. Je m'en rappelle même pas de cette page là. Attends, je... Bon, bah, c'est plus qu'à... Les bottines de ville. Sainte classe. Participer à ce délire. Attention à ne pas blasphémer, Noct. On est dans un territoire sacré, là. Si tu ne fais pas preuve d'un peu de respect, la malédiction risque de s'abattre. Tu vois, ça le fait la VF, ouais, oui. Bien sûr. Attention, ne pas blasphémer, mes notes. Alors que si t'aurais sorti ça comme ça en japonais, bon, ça t'aurait fait moins d'effet. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. L'objectif. On n'y passe pas la journée. Mais bien sûr que non. T'inquiète. Il faut que je sois dans le bon état d'esprit. Ah, tu vois, Mélo. Grand garage sacré, lieu béni où vit la déesse des pignons. Pas t'as dit le 25h. Ah ouais, dur. Le prince? Cindy! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Parfois, j'aime bien faire un footing tôt le matin. Ça me... La vue est magnifique. J'adore cet endroit. Et vous alors? Il est tôt? Quoi? Peut-être c'est quoi? En parlant de demain? Comment dire? Avant que tu m'en parles, j'ai pas mis de réveil pour demain. Comme toi? C'est vrai? Je vous imaginais pas aussi lève tôt. Ah, c'était la bonne réponse, ça va! Oh putain! En fait, j'adore faire des photos. Donc, je me balade au hasard en cherchant de belles choses que j'aimerais garder pour moi. Ah, pronto! Je rêve ou il commence à savoir comment s'y prendre? Waouh! C'est génial! Et c'est quoi ton sujet du jour? Le panorama d'Hammerhead.
Je me suis dit que ce serait sympa vu d'ici. Bonne idée. Les rayons du soleil sur les toits de la ville. Ça doit être beau. Bon, je ferais bien de filer, moi. Sinon, papy va râler. Ah, quand on se reverra, je vais voir la photo. Oui. Bien sûr, évidemment. Bye. Passez me voir au garage quand vous voulez. Oh, j'arrive pas à croire que la princesse des pignons nous a accueillis dans son royaume. J'ai un peu de mal à te suivre, mais je suis content pour toi. Yahoo ! On a réussi ! Grâce à moi, hein ? Tout à fait, c'est grâce à toi. Et hop, non, c'est là, compétences, on est en train de voir. Ah merde, ça aurait dû être ça que j'aurais dû monter en premier. Il est un peu serré son bousin, le mécano. tu sais, comme il n'y avait pas beaucoup de filles dans le jeu, bah ils ont rentabilisé par ça, quoi. Ah, attends, j'ai oublié de faire ma magie. Merde, c'est pas ça. Hop, tout. Magie. Là. Oh, moi, je me fais pas chier sur la magie, hein. C'est. Mais tout. Attends. Oh non. Et hop. Fatigué? Jamais fatigué, jamais. Ils ont mis une qui accumule les bons clichés. C'est plus écrire, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Alors. On a deux armes à récupérer. Mais la vengeresse, je crois qu'on a déjà. J'ai envie de dire de bêtises, je crois qu'on a déjà la vengeresse. Ouais. Donc on a une arme à récupérer et alors. On a 3 mecs, 4 conducteurs chauffeurs qui sont perdus. Après les contrats de chasse, on a fait les deux qu'ils nous proposaient, mais j'en ai fait une en plus. Alors du coup, selon ma carte, parce que c'est surtout les chauffeurs à trouver qui sont galères. Selon la carte... Il y a un mec ici.
Et... je suis trompé de touche. Voilà. 3 fautes par mot. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a pire, on arrive à te lire. Alors que les mecs, ils font 3 fautes en un mot. En plus, c'est ce que tu viens de dire, 3 fautes par mot. Je me sens mou c'est avec ce phrase. Temps. Donc, t'en as qui font tout le temps des fautes trucs imaginables. T'as vu, Melo commence à kiffer la VF du jeu. Je me sens mou avec ce temps. C'est vrai. Faudrait peut-être se ravitailler en potion. Ah, une solution utile pour changer. Comment ça pour changer? De papillon de merde. Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y. On s'est trouvé une bonne musique, hein. On a besoin d'exercice. La VF de Halo, il est énorme aussi. Surtout le Black, je sais plus comment il s'appelle. Le sergent Johnson. Hey, aidez-moi ! Quelqu'un est dans le pétrin ! Où ? Oh ! Putain ! J'ai eu chaud. Génial! On a été parfait. Dommage qu'il soit mort dans le 3. J'aurais kiffé le revoir dans le 4. Donc après, faut continuer à avancer. Vers là précisément. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Oh, les musiques d'FF1. Ah oui, Cortana.
Tiens, vas-y, on se fait un groupe de monstres. Ça, c'est un gros groupe de monstres, putain. Nox, tu vois ça comment? On improvise. T'es foutu. Eh, pronto. Attention à pas glisser. Oh là. Ah, mais j'ai pas de zone à régénérer PM. Donc on va y aller autrement. Cette fois, la peur va changer de corps. Joli travail. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Putain, si j'ai pas de zone pour régénérer mes points de magie, c'est chaud. Ah si, j'en ai un. Je suis en train de faire de la merde. Puis à jouer, je joue là. En fait, j'ai combien de VOD là pour la deuxième? Ah mais c'est qu'on va pas tarder. J'arrive tout de suite. Ouais. Tu vas appeler. Attention, vas-y. Surveille bien la personne. Reste près de moi. Ce sera plus facile. Bonne idée. Ah mais merde, putain, j'ai pas fait gaffe. Ignis, tu peux te charger de neuf. C'est bon, j'y suis déjà. Mais merde, j'appuie sur X là. En plus, je sais même plus où c'est les objets. Attends, c'est où la touche des objets déjà? Ah, voilà. Bon. Putain, j'ai même pas le temps de me téléporter encore. Ah là, je joue mal, je joue très mal. Putain, je gère pas du tout.
Putain, j'ai appuyé sur l'attaque là. Je crois que c'est mieux de combattre à la lance contre ces monstres. Oh putain, ça m'a pas donné de l'XP mais j'en ai chié. Je meurs de soif. Et moi je meurs de faim. L'important c'est qu'on soit vivant. Ouais, on va voir monsieur qui s'est... qui a eu un problème. Je suis content de vous voir. Ma voiture n'a... Merci de tout cœur. Vous êtes... Une bonne chose de faite. Et on va arrêter cette deuxième VOD de Final Fantasy XV. Bien sûr, on continue toujours le live. Je suis chaud patate sur ce live de Road to Midgey sur Final Fantasy XV. Et alors, les stigrois de la élite déconne. C'est pas rassurant quand j'en ai une et j'ai lu que ça arrivait fréquemment. Ah ouais? Mais en fait, si tu veux, encore dans ce jeu-là, ça va. Ça pourrait aller. Bah tiens, tu sais quoi, je vais changer de manette, tiens. Dans ce jeu-là, ça peut aller. Mais genre, un jeu d'FPS, j'ai du mal à viser. Avec la manette élite. Et du coup, il faut que j'aille la récupérer. Bah, je l'ai à côté, je vais la récupérer tout de suite. Mais c'est vrai que là, il me faudrait la manette élite, ce serait mieux. Parce que je dois appuyer sur B pour attaquer et X pour esquiver. Donc, voilà. Donc on va tester cette VOD, je vais chercher la manette et on relance une autre VOD.